C'est Adama Dikogo, il y a longtemps, il est dans le gouvernement avec le président et tout va bien. Si tous les partis d'opposition décident de se mettre avec lui pour l'avancement du pays, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Tout ce que nous on veut là, c'est l'avancement du pays, le progrès en tout cas. Si Dikogo parle, va parler là, ça c'est son problème. Ah. Et je passe là. Est-ce que Dikogo me connaît, Ils sont majoritaires. Quoi qu'il en soit, il allait être élu. Mais il fallait quand même l'accompagner pour leur prouver que eux, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la haine. Mais la politique, c'est nous sommes des frères, nous sommes des gens issus d'une même nation. Donc il faut au moins aller avec plus de considération. C'est un jeu, donc ce jeu-là n'a pas besoin de beaucoup de rancœur. C'est une leçon très grande que l'opposition a pu faire au gouvernement actuel. Je comprends ça. L'opposition se met derrière un membre du parti au pouvoir pour le lit comme président de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un acte à saluer dans le pays. Et c'est des choses comme ça qu'on a besoin, que le pays a besoin, que les enfants de la Côte d'Ivoire veulent voir. Voir tout le monde être uni pour faire avancer le pays. Je pense que c'est des choses qu'il faut forcément saluer de loin. C'est bon. C'est une le fait de voir les partis d'opposition déjà se mettre ensemble, c'est déjà un grand pas vers la réconciliation.